Wesh les gars, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo où ça change complètement. C'est un truc que vous avez encore jamais vu sur ma chaîne. C'est mon petit côté, j'aime bien me maquiller. Voilà, donc vous savez déjà que j'aime les vêtements, vous savez déjà que j'aime voyager, vous savez déjà que j'aime faire des vidéos rigolotes avec mes copains. Mais vous savez pas que j'aime aussi le maquillage. Je vous ai filmé mon maquillage, je vous ai filmé mon maquillage de tous les jours. Bah voilà, je sais pas si ça va vous intéresser, mais c'est un peu un chit chat. En même temps, on discute, je vous dis quelques trucs sur moi et tout et tout. Donc si le concept te plaît, je t'invite de suite du coup à rester sur la vidéo. Je te mets l'intro et tu restes ici, ce sera pas long. Aussi, petit message que je me tenais de faire. Yo les gars, j'ai rien compris. Plus de 1000 abonnés en une semaine. Vous êtes des grands malades, genre vraiment. Genre moi je fais mes vidéos de base pour moi d'abord, mais aussi pour partager avec des gens forcément. Mais genre je m'attendais pas à ce qu'on soit autant d'un coup comme ça. Donc déjà je voulais tous vous dire bienvenue. En plus tous vos messages, vous avez été mais trop mignons. Genre hey Libby, j'avais envie de chialer. J'envoyais vos commentaires à mes potes, j'étais là. Mais regardez comment ils sont gentils. Je les connais même pas et ils sont gentils comme ça avec moi. Non franchement vous êtes adorables. J'ai pris le temps de répondre à chacun d'entre vous. Vraiment j'y tiens, vous êtes trop bienveillants, trop gentils. Genre j'étais en mode waouh. On n'est pas beaucoup mais je vous kiffe trop. Donc vraiment merci. Ah oui, juste avant qu'on me demande, ce petit haut, je me suis fait mal hier donc c'est un peu difficile pour moi de me lever. Ce petit haut vient de chez Shein, je ne peux pas trop bouger dans ce haut. Je ne pense pas le porter dehors parce que un petit coup et voilà c'est fini, vous-même vous savez. Donc voilà, il vient de chez Shein, du coup juste pour ça je sais pas trop si je le recommande. Voilà, mais libre à vous, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon déjà avant de commencer, je tenais juste à vous dire que non, je me suis pas battue encore une fois. Et je me suis pas non plus brûlée avec mon fer à lisser. C'est juste que je pratique un sport de contact, le cheerleading. Et qu'en faisant un basket, j'ai la peine de vous expliquer ce que c'est. Mais en gros on lance une fille en l'air comme ça, on la rattrape dans nos bras. Moi c'est son pied que j'ai rattrapé, donc voilà. Ça m'a fait cette marque. Du coup là j'ai ramené tout mon make-up. Genre vraiment j'ai mes gloss, rouge à lèvres et tout. Ici j'ai tous mes pinceaux. Là j'ai trop de trucs. Genre mascara, liner, crayon, tout ce qui est pour la peau et des faux cils que je vais absolument pas utiliser. C'est tout le reste. Genre poudre, highlighter, tout ça, tout ça. Bref, on va commencer. Ça c'est vraiment mon make-up de tous les jours. Genre que je fais vraiment tous les jours. Et moi je me maquille en 5 minutes la vérité. Genre... En fait j'ai trop l'habitude, du coup c'est archi rapide. Donc la première chose que je fais c'est que je vais embrosser mes sourcils. Et en fait j'ai fait du microblading donc ils sont tout le temps maquillés. Donc j'ai absolument rien à faire, voilà pour les sourcils c'était tout, c'est fini. D'ailleurs si vous voulez une vidéo un peu sur le microblading ou quoi, ben n'hésitez pas à me poser vos questions. Si c'est un truc qui vous intéresse je vous en ferai une vidéo. Du coup la première chose que je fais moi c'est mettre de l'eyeliner. Donc l'eyeliner que j'utilise en ce moment c'est un eyeliner de chez ELF. Enfin Sarah sans eyeliner c'est juste pas possible en fait. Genre c'est très rare que tu me vois sans eyeliner. C'est vraiment ma marque de fabrique. Il y a des années de pratique les gars, genre vraiment. J'en mets depuis que j'ai peut-être 14 ans. Ouais, genre 3ème seconde. Moi mon trait d'eyeliner je le fais en 2-2. Voilà, après la forme c'est jamais la même tous les jours. Ça dépend de mon coup de main. Aujourd'hui c'est assez épais donc un fois on va partir là-dessus hein. On a plus trop le choix maintenant. Je remets un peu de noir parce que là, c'est pas assez accentué. Genre, si t'insistes pas bien, là, il fait un peu du gris, genre. Il s'efface lui-même, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu relou les eyeliners comme ça, mais... Malgré tout, je l'aime bien, donc je le garde. Voilà, c'est un œil fait en... Franchement, je crois que j'ai mis moins de 30 secondes. On s'attaque au deuxième, alors il est comment lui? Ok. Le but. Ah! Il y a ma mèche qui me saoule et j'espère que je vous cache pas trop mais c'est compliqué de faire ce côté sans regarder. Purée, je préfère lui mais je suis obligée de le faire comme lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand tu fais ça t'as trop le seum. Mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas la fashion week non plus. Hein. Je tiens à vous dire qu'il fait 45 degrés sous cette lumière.
C'est un truc de fou, les éclairages, ça donne trop chaud. Ok, je vois ce qui n'est pas pareil. Il faut que j'accentue ici, genre. J'en ai fini avec mon eyeliner. Voilà, mon eyeliner pour ceux qui disent ça. Quand j'ai fini mon eyeliner, je mets ma base qui est complètement vide. Il serait temps d'en acheter une nouvelle. C'est la Hydra Touch de chez NYX. Et la vérité, je sais pas trop ce qu'elle fait. Genre, je sais que c'est mieux, genre quand je mets mon correcteur. Mais en vrai, je sais pas trop c'est quoi son job, tu vois. Je trouve pas non plus qu'elle fasse des dingueries. Mais vas-y, là, mon prochain achat, ça va être une base. Je vais soit prendre celle de chez Marc Jacobs, soit celle de chez Huda Beauty. C'est un peu cher, mais apparemment, elles sont ouf. Genre, elles tissent la peau, elles te font un petit effet glowy et tout. Donc, pourquoi pas tester, t'as vu. Surtout que là, je suis un sad où j'ai tout. Genre, niveau make-up, genre, j'ai rien à racheter, vous voyez ce que je veux dire. Genre, avant, on avait pas trop d'argent, tu vois. On devait tout le temps acheter un nouveau truc et tout. Mais à partir d'un certain âge, ça y est, t'as ta collection, tu vois. Je peux investir dans mes trucs un peu plus chers de temps en temps, tu vois. Je suis désolée, je fais que regarder là parce que... Enfin, genre, le retour caméra, parce que je me vois dedans, en fait. Et quand on a fait ça, on vient effacer les cernes. Parce que, bon, comme vous pouvez le voir, déjà, de base, je suis quelqu'un, j'ai le dessous des yeux plus foncé. Je sais pas si c'est un trait commun aux Mauritaniennes, mais genre moi j'ai grave le dessous des yeux grave marqué et tout. Et je connais pas mal de Mauritaniennes qui l'ont aussi. Oui, puisque pour ceux qui se demandaient mes origines, mon père est français et ma mère est mauritanienne, donc je suis franco-mauritanienne. Et pour ceux qui savent pas, la Mauritanie c'est un grand pays qui se situe entre le Maroc et le Sénégal, parce qu'on me demande tout le temps. Genre tout le monde sait où c'est le Sénégal, tout le monde sait où le Maroc, mais personne ne sait où c'est la Mauritanie, donc voilà, maintenant, peut-être que je vous ai appris quelque chose et que maintenant vous le savez. Mon correcteur, c'est le Laura Mercier, il est ouf. En gros, je vous explique l'histoire. De base, j'avais le Shape Tape de chez Tarte, je l'avais acheté aux États-Unis. Sauf que c'était l'époque où il se vendait pas encore en France. Donc, du coup, quand il était vide, j'étais un peu en mode je fais comment. Et du coup, je suis retournée dans un Sephora. Et c'est un conseiller qui m'a conseillé, le Laura Mercier. Il m'a dit qu'il avait la même couvrance que le Shape Tape, mais qu'il l'agressait beaucoup moins, genre qu'il était beaucoup plus hydratant. Et c'est vrai, genre, c'est vrai que le Shape Tape, il la sèche un peu quand même. Genre, quand tu le mets, tu sens que voilà quoi. Vous voyez ce que, quand on dit l'expression ravalement de façade, bah avec le Shape Tape c'est vraiment un ravalement de façade, genre tu le sens. Donc du coup voilà, le remercier fait grave l'affaire, mais bon je pense que je vais finir par racheter le Shape Tape maintenant qu'il est dispo chez Sephora, que ce soit au Canada ou en France. Bon petit disclaimer, j'achète archi pas un nouveau concealer pour l'été, donc là je suis un peu bronzée mais ma foi. Quand je mets ma poudre après ça se voit pas trop donc je m'en fous. Vu que de toute façon ici il va faire froid bientôt. Parce que pour ceux qui savent pas j'habite à Montréal. Donc mes couleurs elles vont vite fait disparaître. Mon correcteur il sera de nouveau à ma couleur. Quand j'ai fini d'appliquer mon concealer je suis toute blanche. Franchement ça fait peur. D'ailleurs la plupart de mes pinceaux c'est des Real Techniques. Bref, il est tombé sur le tapis. Quand j'ai fini, j'applique bien sûr ma poudre et laissez-moi vous présenter mon bébé. Genre vraiment, en fait c'est de la magie. Genre vraiment, cette poudre est magique. C'est la Fenty Beauty. Moi je l'ai en teinte cashew. Je me suis mise trop bien. En fait j'ai testé celle de ma pote, j'ai Ali. Et elle en plus elle est noire donc elle est plus foncée que moi et tout. Et genre elle m'allait. Genre c'est un truc de fou, genre le truc qui s'absorbe et tout. J'ai trouvé cette poudre magique, non franchement il me la faut. Donc du coup je suis partie chez Sephora. J'étais prête à payer plein pot, 31 €, bah, ça me faisait mal un peu mais j'étais prête. Et puis la dame elle me dit ouais elle est soldée à moins 50%, elle est à 15,50 € et tout. Et du coup elle est sold out partout et tout. Je dis madame, appelez tous les Sephora de Toulouse, c'est pas mon souci. Faut vraiment que vous me la trouviez là et tout. Et genre sur le site j'avais écrit à chaque fois qu'il n'en restait qu'une. Et quand dans le stock il y a écrit qu'il n'en reste qu'une, ça veut dire qu'il n'y en a plus en fait. Et par chance, à force de persévérance, vous voyez la persévérance c'est vraiment la clé. Elle a appelé un Sephora à la sortie de Toulouse genre. Il leur en restait une alors du coup ils l'ont mise de côté pour moi. Et en plus de ça il y avait 10% supplémentaire donc je l'ai payé 14 €. Genre franchement je me suis mise bien de ouf. Donc la technique que j'ai Annie elle m'a appris c'est d'abord il y a une couche. Genre tu la piques vraiment genre pour que ça pénètre dedans. Voilà, tu fais pareil de l'autre côté. Vraiment, ça me stresse parce que ça vole partout ce truc. Genre, mon meuble il est blanc, après ça en poussant mon meuble, ça me saoule un peu. Voilà. Et quand c'est fini, si tu veux faire du baking, ben en fait, tu remets une couche par-dessus
Mais genre cette fois-ci tu la poses juste, voilà. Tu laisses reposer comme ça, you bake. Je prends mon pinceau, vraiment mon bébé, c'est un Colourpop, je l'ai depuis archi longtemps. Et mon fard à contouring de chez Make Up For Ever que j'ai depuis archi longtemps aussi, il est tout seul miskin. Ne demandez pas l'attente, franchement je saurais pas vous dire. J'aime trop, j'ai fait le truc, je vous ai même pas expliqué. Et je refais la même chose en plus, mais bon vous voyez très bien ce que je fais. Ça c'est mon fard à contouring et je vous assure que tout ressort x10 là-dedans, mais en vrai je suis pas si maquillée que ça, genre ça se voit pas dans la vraie vie genre. Parce que là on dirait une cagette un peu. Voilà, déjà ce côté c'est mieux. Ce côté je le trouve un peu trop, donc je laisse tomber avec ce pinceau encore de chez Will Techniques pour que ce soit un peu moins. Et voilà, ensuite je viens reprendre mon pinceau, d'ailleurs by the way c'est un pinceau de chez Sephora, et je viens enlever la baking powder, genre la fondre dans le reste du make-up. Voilà, là on est bien là. Ensuite ce que je fais de temps en temps, parce que là mon nez est tout blanc, c'est que je viens le contourer vite fait, toujours avec ce fard. Mais je suis pas une fille trop à l'aise avec le contouring, genre c'est pas trop ma discipline, je maîtrise pas trop. Donc je fais pas non plus des dingueries. Et là je suis en train de chercher un pinceau adéquat. On va tenter avec celui-ci. Et je vais en mettre légèrement sur mon nez, genre juste pour pas que ça fasse genre blanc. Enfin vous voyez ce que je veux dire, genre ça fait une coupure un peu le nez. Mais genre quand je vous dis légèrement, c'est vraiment légèrement. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas effacé ça. Bah franchement on va le laisser hein. C'est pas mon souci. Parce que dans tous les cas je vais pas mettre du correcteur que à cet endroit là de mon front. J'aime pas mettre du fond de teint et tout sur mon front. Donc ça va archi rester comme ça, c'est pas grave. Je mets mon blush, alors vraiment une pépite ce blush. C'est un blush de chez L'Oréal. Et en fait je trouve il fait aussi highlighter, puisque regardez, il est irisé pour dire les vrais termes. Il est trop beau. Genre franchement il est un peu rose marronné genre. J'adore, genre il est vraiment trop beau. J'en ai converti plus d'une avec ce blush. Donc je le prends et je viens le mettre juste au-dessus de mon contouring. Et lui par contre j'hésite pas à en mettre, genre j'aime trop, je trouve ça c'est trop cute. J'adore. That's amazing, you're doing amazing sweetie. Et là je fais semblant mais je vois que dalle. Donc je vais voir si... ouais, c'est bon. Faut pas trop en abuser, c'est super. On en a fini avec le teint. Je vais venir mettre mon mascara et tout. Moi je suis un peu ringarde, enfin je fais toujours les trucs que les meufs faisaient à l'ancienne. Je mets du crayon en bas de mes yeux, mais je trouve que ça les ouvre, genre. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que ça fait la différence. Quand, genre, après je mets du mascara en bas et tout, moi j'aime trop. Mais genre j'en mets que en bas sur le déco, genre. Et léger, tu vois. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est vraiment léger. Voilà. Genre limite ça se voit pas. C'est pas genre vous vous souvenez avant, genre elle mettait vraiment du noir tout autour. Oh, c'était horrible. Mais bon après c'est une époque, tu vois, faut respecter. Dans 5 ans on se foutra de notre gueule de nous aujourd'hui. Je viens tout simplement appliquer mon mascara. Alors je vous explique, c'est un peu la hesse. Mon mascara normalement c'est le iconique Dior Show Overcurl de chez Dior. Et genre ce mascara ma vie, genre ça fait 3 ans c'est mon mascara, je l'aime trop et tout. Mais il coûte quand même 38€. Donc du coup je l'achète pas souvent. Là cette fois-ci j'ai voulu l'acheter à l'aéroport mais il n'y en avait plus. Donc du coup ce que je fais c'est que je mets ce mascara L'Oréal Unlimited. Mais lui il fait des packs un peu. Je le mets grossièrement, en gros. Voilà. Genre comme ça quoi. Grossièrement. Hop. Hop là. Et quand j'ai fini de le mettre grossièrement, tu connais quand c'est la reste. En vrai ton mascara, ce qui compte c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est le pinceau. Mais moi du coup je prends le pinceau du Dior et je vais repasser tant que c'est pas sec. Et du coup voilà, ça m'enlève les paquets, ça me fait l'effet que j'adore de ce mascara. Tout le monde est content, on n'a pas dépensé 38€ dans un mascara. Après j'en mets en bas. Ensuite comme d'hab, vu que l'autre là il fait des pâtés et tout et qu'il est genre plein et tout, ça me fait des petits trucs noirs en haut des yeux. Il n'y a pas de chichi ici, moi voilà je prends ma salive, j'enlève ça au calme, qui va cala. Et la dernière petite touche, je la fais pas tous les jours mais là comme c'est vous, je vais faire un petit effort. Je ferai un petit pinceau fin comme ça. Je prends encore mon highlighter de chez Fenty Beauty
Eh vraiment, cette femme elle est incroyable, elle sait tout faire. C'est mes copains qui me l'ont offert à mes 20 ans. J'ai trop kiffé ce cadeau. Celui-là il est pété, mais je prends lui qui est un peu plus clair, genre. Et je le mets, genre vraiment quand je vous dis dans le coin de mon œil, c'est genre là, là. Je trouve ça fait grave un petit truc en plus, genre. Vous voyez, c'est pas trop beau. J'avoue, j'ai copié sur ma copine Janice, elle, elle fait ça, mais j'aime trop. Elle, ça se voit encore mieux, je sais pas comment elle fait. Et des fois, j'en mets un peu, genre, sur le long de mon nez, comme ça. Sur mon arc de Cupidon. Voilà. Donc ça, c'est mon make-up de tous les jours. Vraiment, ce make-up, je le plie en 2-2. Genre, c'est vraiment mon make-up de tous les jours. Je suis trop habituée, genre, les gens, ils me disent, mais oh, tu te maquilles tous les jours et tout. Je mets 7 minutes à le faire, en fait, donc... Mais du coup, voilà, c'est mon petit make-up. Après, tous les jours, moi, je mets juste du Labello. Après, je fixe avec mon fixateur. C'est le All Nighter de chez Urban Decay. Et ça, j'aime trop. Genre, c'est grave l'état qui te rafraîchit et tout. T'as l'impression que ton make-up, il tient mieux, mais je crois que c'est vraiment le cas. Et puis, si je vais sortir ou quoi et que j'ai envie d'être mignonne, je rajoute juste quelque chose sur mes lèvres. Donc, en général... Je prends ce crayon de chez MAC, c'est le Over. Il est même pas taillé. Et c'est normal, si vous voyez rien, c'est parce qu'il est totalement de la couleur de mes lèvres. Bien sûr, attendez, celui-là il est vide. J'en ai 450. Bon, lui c'est la version mini. Je mets mon gloss de chez Fenty Beauty. Ça c'est vraiment ce qui a révolutionné tout mon make-up, ma vie. Voilà, on est parti pour shiner toute la journée ou toute la nuit. Mais en général, si c'est pour la nuit, je rajoute juste des faux cils, de l'highlighter ici. En général, si j'ai la déter, je fais un petit truc sur mes yeux quand même. Je sais pas si je peux vous faire des close-up, genre comme les youtubeuses beauté et tout. Mais quelle qualité incroyable! Voilà les gars, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo petit chit chat make-up avec moi vous a plu. C'est vraiment mon make-up de tous les jours. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner encore une fois. Si c'est déjà fait, tu peux pas te rabonner. Mais bon bref, t'as compris. N'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos, de je sais pas, moi s'il y a des trucs que vous voulez savoir sur moi. Je sais pas si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon microblading, sur mes piercings, quoi d'autre. D'ailleurs ça, ce sera peut-être le sujet d'une seule vidéo. Et puis, je sais qu'il y en a que ça intéresse un peu, genre mon parcours scolaire, genre qu'est-ce que je fais au Canada, comment ça se fait que je suis là, que j'ai un travail, etc, etc. Donc ça aussi j'ai déjà fait une vidéo un peu sur ma vie au Canada, mais j'ai pas vraiment expliqué genre mon parcours scolaire, etc. Donc je suis totalement à l'aise d'en parler avec vous si jamais c'est un truc qui vous intéresse. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo si j'ai la déter. Enfin en vrai je suis censée poster une vidéo tous les dimanches, mais je veux pas trop m'avancer donc je préfère dire ça. Et puis je vous dis à bientôt, gros bisous.